Salut à tous les amis, c'est Davy et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, toi derrière ton écran, n'hésite pas à liker et partager cette vidéo à tes amis. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, c'est très très important. Et moi je te laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais tout simplement te faire voir comment piéger les portes de votre voisinage sur Brookhaven, c'est-à-dire quand vous mettez une maison. Donc là, par exemple, vous allez vous téléporter à une maison, par exemple celle-ci. J'ai trouvé une technique pour embêter votre voisinage. Vous allez comprendre tout dans cette vidéo, comment embêter vos voisins. C'est très très simple, les amis. Vous allez dans votre petit catalogue, vous allez prendre l'échelle qui est juste ici. Même si la porte est fermée, vous lui mettez une échelle et normalement la personne, elle est dans l'incapacité de la quitter. Je vais pas y arriver à parler. En gros, elle ne va pas pouvoir sortir de chez elle. Donc c'est très amusant si vous avez rien à faire. Donc voilà. Donc par exemple celle-ci, bah vous lui mettez une échelle. Et par exemple si elle est chez elle, bah elle ne pourra pas sortir de chez elle. Donc c'est super super drôle les amis. Donc moi, quand j'ai du temps libre, bah je fais ça sur Brookhaven. Je sais, j'ai que ça à faire. Je fais ça quand je vais sur ce jeu. Parce que il n'y a pas grand chose à faire à part faire des mini vidéos Brookhaven. D'ailleurs les amis, si vous avez toujours pas vu mes mini vidéos Brookhaven, je vous invite à aller les regarder. Il y en a quelques-unes qui sont très très amusantes. Donc je vous invite tous à les regarder de toute façon. C'est comme vous voulez les amis. Donc voilà les amis. Donc ici j'ai mis une échelle. Donc nous allons regarder s'il y a une autre maison où on pourra aller voir. Et les amis aussi, les amis, si la personne qui est dans la maison vous banne de chez elle parce que vous l'embêtez à cause des échelles, et bah c'est très simple. Vous êtes ici et vous pouvez aussi à distance mettre quand même des échelles pour embêter ce que vous voulez, bah embêter tout simplement. Regardez, hop, là je mets une échelle. Ah, non. Normalement la personne est dans l'incapacité de rentrer chez elle car j'ai mis une échelle. Donc j'espère que c'était pas... J'espère qu'elle est pas chez elle tout simplement. Parce que là j'ai mis une échelle. Oh, ça y est les amis, elle essaye de rentrer. C'était bien elle. Elle essaye de rentrer chez elle. Elle a dit quoi? Elle a dit ok, point d'interrogation. Voilà les amis, maintenant vous connaissez les bêtises que je fais quand je vais sur Brookhaven. C'est très très amusant. Je vous invite tous à aller tester cette technique pour vous amuser tout simplement. Donc là, elle va essayer de me bloquer. Regardez, là j'en fais exprès pour qu'elle me bloque. Allez, vas-y. Est-ce qu'elle va me bloquer? Allez, bloque-moi. Elle refuse de me bloquer, les amis. Sinon, je vous aurais fait voir la technique quand vous êtes bloqué d'une maison. Donc... Ah, ça y est, les amis. Et c'est bon, les amis, c'est bon. Elle m'a ban de chez elle, donc... Nous allons revenir chez elle. D'ailleurs, j'ai un petit problème, les amis, avec mon skin. C'est que mon t-shirt et la veste 3D n'apparaissent pas lorsque je me fais ban de chez quelqu'un ou lorsque j'apparais sur le jeu au tout début, quand vous appuyez sur play. Donc, c'est très, très bizarre. Donc, on va revenir à la maison. Elle est où, la maison? Normalement, elle est dans le rouge. Voilà, c'est celle-ci. Donc, vous faites ça. Voilà, vous vous mettez comme ça et vous pouvez mettre l'échelle. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel. Donc, oh, elle a réussi à ouvrir la porte. Bon, parfois, il y a des petits bugs. Ce n'est rien, t'aura plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à partager à tes amis si eux aussi souhaitent
regarder mes vidéos et comme ça, ça leur fait découvrir aussi une nouvelle chaîne YouTube sur l'univers de Roblox. Donc, si tu n'as toujours pas vu mes autres vidéos, je t'invite à aller les regarder. Et moi, je te laisse sur cette fin de vidéo. C'était Davy. Ciao, bye les potes.